Allez, bonjour à tous, bienvenue sur cette série sur les catamarans. Et là, on va parler du nouveau design de ce Lagoon 43 version propriétaire que je trouve assez particulier. J'espère que vous avez pris le pack et que vous avez regardé cette vidéo sur la foudre en catamaran. Là, c'est pareil. Je vous rappelle qu'entre celle-là, celle des générateurs, celle de la négociation des tarifs et 2-3 que je vous ai fait, vous avez sauvé 20 fois le prix du pack que vous allez prendre. Et j'espère qu'on travaillera ensemble pour trouver le catamaran idéal et que vous allez me contacter. Avec André, les choses sont faites. Donc, vous voyez, ça n'a pas pris longtemps. C'est réglé. Alors, ce Lagoon 43, je vous mets les images sur derrière moi. Lagoon a eu l'idée, alors peut-être bonne ou peut-être selon nous, je ne sais pas, d'aller mettre cette cabine arrière à l'avant dans la pointe du bateau, comme vous pouvez le voir. Donc là, ils ont tourné la coque propriétaire qui est très souvent d'ailleurs à tribord. Tout le temps, ils ont été mettre dans la pointe avant le lit propriétaire. Alors là, je reste perplexe parce que pour ceux qui ont déjà fait du cata et ou du monocoque, tout le monde sait que dormir dans une pointe avant, enfin, dans l'avant d'un bateau, plus on est à partir du mât vers l'arrière, en général, plus c'est confort. Plus on est à partir du mât vers l'avant, moins c'est confort. En mer. Donc, là, je me dis, c'est quand même assez bizarre. Alors, peut-être qu'ils partent du principe qu'en navigation, ben, le propriétaire, il ne va pas dormir dans sa cabine parce que, il fait la veille et qu'il dort dans le carré extérieur ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Alors, ça va être peut-être plus facile pour aller aux toilettes ou pour aller à la douche, mais en navigation, je ne comprends pas le principe. Et la deuxième chose qui est aussi bizarre, c'est que, alors, au mouillage, on pourrait se dire que si le hublot s'ouvre vers l'avant, et que forcément au mouillage, tu as le nez vers l'avant puisque tu fais face au vent, cette cabine elle pourrait être un petit peu mieux aérée qu'à l'arrière parce qu'il y a le cockpit central peut-être qui fait de la déflexion du vent et qui l'écarte des choses. Alors ça, c'est une première chose qu'on peut se dire. La deuxième chose à laquelle je pense là-dessus, et là, je ne sais pas s'ils y ont pensé, mais. Dans un monocoque, si tu es vraiment à la pointe, bon, t'entends ta chaîne à l'avant, t'entends les coups de nez. Dans un catamaran, c'est beaucoup moins le cas. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que quand tu dors à l'arrière de ton bateau, tu as un des gros avantages, c'est que tu entends ta marche arrière. Et si. Parce que la vie d'un marin, ce n'est pas de dormir à la marina, un truc, c'est qu'on va dire que tu es au mouillage ou en navigation avec ton bateau la plupart du temps. Et donc en navigation, avoir la cabine à l'avant, ce n'est pas génial. Et au mouillage, pourquoi je ne suis pas trop cabine à l'avant? C'est que j'estime que quand quelqu'un monte sur tes marches arrière, voilà, quelque part, il y a un mec qui monte, qui veut te piquer quelque chose ou qui veut. Voilà. Si tu es dans la cabine arrière, alors, sur un cata, tu as une chance sur deux qu'il ne monte pas sur le bon flotteur, mais même s'il ne monte pas sur le bon flotteur, normalement tu vas l'entendre. On entend beaucoup mieux ce qui se passe à l'arrière. Et le mec, il ne va jamais monter par la poutre avant. Donc ce qui veut dire qu'en plus, tu entends quelque part, c'est de la sécurité d'être près de ces marches à l'arrière. Donc moi, je trouve. À l'utilité, au mouillage, je préconise vraiment d'être plutôt sur les marches arrière pour cette raison-là. Et en navigation, pour des raisons de confort, je trouve aussi plutôt intéressant d'être dans les marches, à l'arrière du bateau. Donc je ne comprends pas la philosophie
qu'a pris Lagoon sur cette option-là. Une des choses qu'on peut peut-être se dire, c'est que en ayant ramené, alors j'ai pas regardé le design de la tuyauterie, mais en ayant ramené la salle de bain sur l'arrière, peut-être que l'évacuation douche, toilette et entrée d'eau pour les toilettes, étant près de la cale moteur, peut-être que, et plutôt sur l'arrière du bateau, donc dans un endroit où avec la vague ça ne monte pas, permettait d'avoir voilà, une meilleure évacuation, une meilleure entrée d'eau, ou également avoir une salle de bain qu'on peut gérer beaucoup mieux au niveau, parce que si vous avez votre bombe d'évacuation de la douche, qui a un endroit et qu'il y a un peu de clapot, à l'avant, pour vider l'eau qui reste dans le bac de douche, des fois c'est un peu problématique, et à l'arrière, il y a de grandes chances que voilà, déjà ça bouge beaucoup moins et que ça reste plus à plat et qu'il y ait une meilleure évacuation. Alors je sais pas, hein, c'est les raisonnements que j'essaie d'avoir pour essayer de comprendre le choix. Je trouve ça assez farfelu. Et ce que je comprends pas trop, c'est que ce qu'ils auraient pu faire, bon, je suis pas designer et je sais pas si c'est faisable, c'est une idée que j'ai, c'était peut-être dans la marche arrière plutôt mettre une ouverture avec une descente comme ils ont sur les lagunes 62 et au-delà. Maintenant sur les 52 ils ont ça aussi, avec peut-être une salle de bain qui était là un peu excentrée, alors ça vole un petit peu de place, mais en attendant ça permettait d'avoir ça ouvert, et vous aviez vu sur si la cabine était bien faite, vous aviez vu sur la marche arrière qui était ouverte, ça permettait une circulation de l'air beaucoup plus complète, et voilà, vous aviez un peu de l'air frais, et quand vous êtes dans le bateau, dans la partie travail qui est là en bas, que vous êtes dans votre cabine, ça vous permet d'être aéré avec une sortie directe sur l'extérieur et une vue sur ce qui se passe. Donc voilà, là-dessus, je ne comprends pas le design de Lagoon de ce côté-là. Il y avait une deuxième chose sur laquelle je voulais revenir sur les designs des bateaux, puisque là j'ai quelques propriétaires avec qui je suis en discussion et qui cherchent des bateaux souvent en version propriétaire, donc on a commencé à regarder et ces choses-là. Faut savoir que les versions propriétaires en général se vendent plus cher que les versions 4 cabines. Et l'avantage de la version propriétaire, bon, certes une cabine en moins, mais on a une douche qui est plus grande. Et pour ceux qui achètent des bateaux et qui d'occasion et qui se demandent si c'est le choix qu'ils veulent faire, honnêtement, la convertibilité d'une cabine avant en grande salle de bain et la modification de votre salle de bain en autre chose, il y a plein d'endroits dans le monde où ça va vous coûter bien moins cher qu'une cabine proprio, et enfin qu'une version propriétaire, et où vous allez pouvoir le faire à vos goûts. Donc là encore, je donne ça dans la partie publique de ces vidéos. Si vous cherchez un bateau, je parle d'occasion, en neuf, vous allez commander en version proprio, on ne va pas le commander 4 cabines et ensuite le faire transformer, ce serait ridicule. Mais si vous ne trouvez pas votre le bateau idéal et que vous trouvez qu'en version 4 cabines et que vous dites ouais, moi je veux un 3 cabines parce qu'on sera tous les deux et c'est une cabine de plus qui sert à rien et c'est de la place en plus, gardez à l'esprit que ça ne vous coûtera pas forcément plus cher d'avoir un 4 cabines que vous allez modifier. Il y a des gens qui sont très bons en bois et en vernis et ces choses-là, et c'est tout à fait faisable. Alors certes, c'est un mois et demi ou deux mois de boulot où vous n'allez pas profiter du bateau, vous n'allez pas partir avec, mais en général, quand on prend un bateau d'occasion, on fait toujours des travaux dessous, on change des panneaux solaires, on change un peu d'électronique, on fait de l'annexe, on remet les voiles, machin. Le nouveau propriétaire a toujours tendance à vouloir remettre son bateau presque à neuf, ce qui est tout à fait normal.
Donc, in fine, si vous êtes sur un chantier et que vous trouvez un mec qui est bon, regardez s'il vous prend 10 000 ou 15 000 balles pour faire la conversion sur un bateau d'un certain prix. La différence des deux, elle est souvent bien plus chère que ça. Donc voilà, c'était un petit peu pour venir sur ces designs nouveaux. Alors je ne sais pas si ça va être la seule version et puis qu'ils vont arrêter parce qu'elle ne va pas être aimée, ou si on va s'attendre à avoir de plus en plus des cabines propriétaires avec voilà, le lit sur l'avant. Je ne sais pas, on va regarder si les collègues d'autres marques suivent cette nouvelle tendance ou pas. Et encore une fois, si vous devez, si vous cherchez un kata, et nous, on est spécialisé, je fais ça, je trouve des perles rares. En vrai, on est passé de chercher des 40 pieds, on lui a trouvé un 43 pour le même tarif et en bien meilleur état. Et donc, n'hésitez pas à faire appel. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes et je vous dis à la semaine prochaine.